Bien salut tout le monde, c'est Winzar, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors la 3.7 est sortie sur Genshin, donc comme d'habitude, je vais vous montrer comment avoir un serveur privé sur la version 3.7. Donc la version n'a pas changé d'habitude, donc avant toute chose, désactivez votre antivirus, donc si vous avez AVG, désactivez-le, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, les liens que j'ai dans la description, des fois, l'antivirus il bloque le lien, etc. Parce qu'apparemment, c'est des pubs, etc. Mais c'est normal, vous inquiétez pas, je vous montrer comment faire. Donc, ouais, n'hésitez pas à tout désactiver. Donc, vous allez commencer par installer le premier lien. Donc, c'est Windows Desktop Net. Donc, voilà, ça va ressembler à ça. Donc, ce sera le premier lien ou le deuxième, je sais plus trop, mais voilà, c'est écrit. Donc, ça permet d'installer le serveur privé, tout simplement, le .exe. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous arrivez, ça va vous mettre installé, blablabla. Donc, vous mettez installé et voilà. Et après, on peut quitter et ça, on s'en fout. Ensuite, ce qui est important, c'est le launcher. Donc, ce sera le prochain lien. Donc, ce que vous faites, c'est que quand vous cliquerez sur le lien, ça va vous mettre une petite pub de 5 secondes. Vous cliquez au-dessus. Et une fois ceci fait, ça va vous mettre sur cette page. Une fois sur cette page, ce que vous allez faire, vous allez aller ici et vous cliquez sur UKIPS. Et ça va vous installer ce fichier .rar tout simplement. Donc, voilà. Donc, il vous faut WinRAR aussi. Bon, ça, je pense que tout le monde là ou tout le monde peut ouvrir des .rar ou des .zip. Donc, vous l'ouvrez. Ça vous ouvre ça. Et à côté, vous créez un petit dossier. Donc, nous, on va mettre. UKIPS et tout ce qu'il y a dedans là, pardon, vous faites comme moi, vous glissez, hop, et vous mettez dedans. Faut tout mettre dans le même dossier, sinon ça va bugger. Ensuite, vous ouvrez le dossier comme ça et vous allumez UKIPS. Donc ça va vous mettre un petit écran. Donc là voilà, ça va vous ouvrir ça. Puis ça vous ouvre ça. Donc une fois le truc ouvert, ça va vous ouvrir les deux trucs. Donc ici, ce que vous allez faire, vous allez aller dans config, choose, et vous allez aller là où se trouve votre fichier Genshin. Donc moi, là où il se trouve, normalement ça le détecte automatiquement. Mais si ça le détecte pas automatiquement, vous irez à peu près dans ces fichiers, regardez. Vous allez dans votre disque, dans programme, vous allez dans Genshin Impact, et là, dans tous les cas, vous devrez trouver le fichier Genshin Impact Game. Donc c'est ce dossier, vous cliquez une fois dessus, vous mettez sélectionné. Comme vous pouvez voir, ça l'a trouvé. Donc il y a plusieurs possibilités, si vous voulez l'installer sur un autre disque ou avec Epic Games, c'est à peu près la même commande, enfin le même lien. De fichiers, donc essayez de trouver, moi c'est lui en tout cas quand on installe avec le vrai launcher Genshin. Donc voilà, une fois ceci fait, vous retournez ici et vous double cliquez sur UKIPS. Plus tard dans la suite, je vous expliquerai à quoi ça sert ici. Ça sert si vous n'arrivez pas à désinstaller le launcher, et sera dans l'autre partie de la vidéo. Mais voilà, donc ce que vous faites, c'est que vous double cliquez dessus, donc je viens de le faire, et vous faites launch. Ce qui va se passer, c'est que la première fois, le jeu ne va pas se lancer, c'est à dire que ça va, voilà, je vous ai expliqué. Donc ici, ce que vous faites oui. Le certificat truc, et ça va vous redresser cette fenêtre noire. Rien à cette fenêtre, c'est que le jeu va s'allumer et que le serveur il a. La première fois, ça n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il faut quitter et remettre le serveur. Donc on va le faire ensemble. Donc voilà, donc ça va faire ça. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous quittez Genshin. Voilà, donc là vous êtes ici et vous relancez Genshin. Vous faites launch. Et là, normalement, si tout se passe bien, ça marche. Et s'il y a des bugs, n'hésitez pas à venir sur le Discord ou aller voir ma précédente vidéo pour voir ça peut être quoi le bug. Donc normalement ça vous rouvre ça, et voilà, donc là Genshin s'ouvre, voilà, donc on va atteindre, et là normalement tout est censé fonctionner. Comme vous pouvez voir, ça a marché, ça m'a déconnecté de mon compte. Ce qui va se passer, c'est que maintenant vous faites comme d'habitude, vous mettez une adresse email au pif, donc moi je vais mettre, c'était l'adresse email que j'ai mis la dernière fois je crois, et le mot de passe vous mettez une étoile par exemple, on s'en fout, se connecter, si ça fait comme ça, c'est que ça a marché. Ici, vous avez tout ça. Vous pouvez voir les différents serveurs. Donc moi par exemple, je vais aller en 3.7. Donc je vais aller en Allemagne 3.7, vu que c'est le serveur le plus proche de chez moi. Après, si vous habitez à côté du Japon, vous mettez 3.7, etc. Après, vous pouvez aller en 3.6, mais ça, faut installer la version du jeu, c'est autre chose. Donc vous faites 3.7, hop, donc on clique, et vous lancez. Donc là, ça va me faire un petit téléchargement, voilà, donc vous attendez. Hop, voilà, et là, on clique, on attend, on touche rien. Voilà, on peut voir la barre de chargement se faire, donc on va attendre pour voir si le truc se lance bien. Voilà, on a bien la cinématique du début, cela veut dire que le serveur a fonctionné, donc maintenant, on va voir comment le désinstaller. Je vais vous montrer comment enlever le serveur privé, car il y en a beaucoup qui savent pas comment faire, et qu'ils n'y arrivent pas, et que ça met un truc. Donc je vais vous montrer en fait le problème. Donc on va quitter Genshin, et on va quitter UKIPS. Donc, ce que vous faites là, c'est que moi, pendant que je vais aller sur Genshin, on clique sur Genshin, et on veut le lancer. Voilà ce que ça fait. Ça fait ça. Et en fait, ça vous lance entre guillemets serveur privé, mais d'une façon buggée un peu. Donc, ce qu'on fait pour l'enlever, vous allez dans Genshin, en vrai remplacement du fichier, et vous allez dans juste avant. Il faut que vous allez dans ce truc là, Genshin Impact Game. Une fois ici, vous supprimez version DDL et MHIP base. Voilà, désolé de bégayer, mais c'est compliqué ce mot. Vous pouvez même supprimer public key à la limite. Voilà. Voilà. Une fois ceci fait, vous retournez sur le launcher Genshin et vous faites tout réparer. Donc vous attendez
que tout se finit. Et une fois ceci fait, vous redémarrez votre ordinateur. Donc voilà, donc ça va vous mettre ça quand ça va réparer les ressources du jeu. Ce que vous pouvez faire en attendant, c'est vous prenez le launcher et vous supprimez tout. Donc vous supprimez le launcher et vous supprimez bien la corbeille. Vous supprimez le launcher, le dossier, même le point rare si vous voulez. Et vous supprimez toute la corbeille. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir plus rien sur votre PC concernant le launcher. Donc là, vous attendez ça. Une fois ceci fait, vous redémarrez votre PC et normalement vous pouvez rejouer à Genshin. D'ailleurs, je parlais du official server dans le launcher. Bah, en fait, c'est pour ça, c'est pour les gens qui arrivent pas à supprimer. Donc, vous pouvez quand même jouer à Genshin en allant dans le launcher et mettre les serveurs officiels. Si vraiment ça marche pas de remettre Genshin comme avant, voilà. Donc, n'ayez pas peur, si vous mettez le serveur privé, vous pourrez forcément rejouer à Genshin, vous inquiétez pas. Et si vraiment vous avez des gros bugs, ben vous désinstallez, vous remettez le jeu. Donc, on est de retour. Et ce que vous allez faire, vous cliquez sur Genshin Impact, vous faites oui et vous mettez démarrer. Et voilà, il n'y a plus l'écran noir qui apparaît, donc Genshin remarche. Et si cela ne remarche pas, ben je sais pas trop comment vous faire, je suis désolé, mais là c'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, si vous faites ça, ben c'est censé marcher. Comme vous pouvez voir, moi ça remarche, nickel. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. Comme vous pouvez voir, au moment où je vais sortir la vidéo, soit je dois être à 999 ou 1000 abonnés. Donc merci, peut-être je ferai une vidéo spéciale, je verrai bien. N'hésitez pas à aller voir sur Discord dans les annonces pour voir ce que je vais faire. Et voilà. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et comme toujours, bye bye.